Je m'appelle Philippe Ledbeur, j'étais journaliste dans le Nord pendant une quarantaine d'années. Ensuite, je me suis un peu exilé dans le Gard où j'ai cultivé des tomates pendant 10 ans. Enfin, des tomates sur le plan artisanal. Hein. Je n'avais pas une exploitation, je mangeais les tomates que je cultivais. Ensuite, pendant ce temps-là, je ne parlais pas trop mon temps, j'écrivais des livres, et dont celui-ci. J'ai d'abord tué le chien, qui a reçu donc le prix Matmut 2019 et qui est édité dans l'excellente maison de Noël. C'est l'histoire d'un homme qui est un peu à la dérive. Il devient clochard à la suite d'une question sentimentale. Il se fait jeter de chez lui. Donc il est un peu à la dérive, mais c'est un clochard qui pense maîtriser son destin, qui a bien organisé sa vie, sa petite baraque et tout. Enfin, c'est du moins ce qu'il croit, parce que on s'aperçoit au fil du récit qu'il est en train de déraper complètement et qu'en fait, il est en train de sombrer dans la folie. Et un jour, il y a une étape décisive qui se produit dans sa folie. Il prend la place de quelqu'un d'autre, il prend la place d'un homme qu'il a tué. Et cet homme est richissime. Il est richissime, mais c'est aussi un monstre diabolique. Et donc, il est contraint d'endosser la peau de cet homme qui est un monstre. Alors là, je crois qu'il faut arrêter de raconter, parce que sinon, il n'y a plus de suspense. Alors, la couverture, elle est formidable. Hein, la personne qui a fait la couverture, c'est vraiment... Donc, c'est un miroir dans lequel on voit le personnage, mais on ne voit pas son visage, on ne voit que ses pieds. Donc, ce qui donne une idée d'un peu de détresse. Le miroir donne une idée de double personnalité, de double vie. Il y a une phrase en exergue du livre, c'est une phrase de Sartre, Rimbaud et un psychanalyste aussi qui l'a utilisé, c'est « Je est un autre ». Donc c'est un peu l'histoire de ce bouquin. On est quelqu'un, mais on est peut-être quelqu'un d'autre, où les circonstances peuvent peut-être vous pousser à devenir quelqu'un d'autre. Voilà.